On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo Orvet. Oui, Orvet. Voilà. Bon, bah, bonjour à ma chienne, du coup. Voilà, un beau Orvet. Alors, c'est une femelle. Comment? Vous voyez ça pour un dotter que j'ai? Et bah, là, en plus, il vient juste de muer. Il a fini sa mue aujourd'hui. Il a commencé hier soir sa mue. Et il a fini aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un soir. Ouais, soir, on va dire soir. Aujourd'hui, soir. Là, je suis dehors. Et voilà, donc du coup j'ai un Orvet. Luna. Du coup, voilà, couché. Voilà. Du coup, là j'ai un Orvet. C'est une femelle. Alors, comme vous voyez, sa peau. Alors, les Orvets, pour vous dire, les Orvets mangent plus de choses que les serpents de terre déjà. Et l'Orvet, par contre, lui, vous voyez, mon serpent de terre avant se cacher dans la terre, c'est parce qu'il n'avait pas assez de cachette en bois. Donc là, je lui ai mis une écorce à mon à mon serpent de terre, et là, il se cache tout en dessous. Et là, celui-là, bah, il se cache dans la terre. Les Orvets, ça aime bien creuser. Du coup, voilà, c'est une femelle. Alors, pour reconnaître aussi un Orvet, et bah, vous voyez, les serpents de terre, le mien, il a pas une pointe, il a une pointe. Et bah, lui, regardez. Il n'a pas de pointe, c'est tout rond. Donc voilà. Alors, pour les Orvets, ils peuvent faire des petits tout seuls, sans mâle. Voilà. Si c'est des femelles, bien sûr. Même les serpents de terre, ils peuvent faire des petits sans mâle. C'est quand même fou. Alors, par contre, elle s'excite très très beaucoup. Voilà. Alors, quand on la prend, imaginez, elle a peur. Elle va seulement soit creuser, soit se cacher quelque part. Du coup, des fois, quand elle se cache dans l'air, mais genre, c'est un peu profond, et bah, du coup, je suis obligée de tirer, mais tout doucement, pour pas lui faire mal. Faut faire très doucement. Alors, bien sûr, ça se manipule pas comme un serpent. Oh, Luna! Ça se manipule pas comme un serpent. Des fois, vous pouvez faire des espèces de petits tourbillons, la mettre à l'envers, après la prendre par le bout de la queue, mais très doucement, genre la garder avec la main entière par le bout de la queue. Puis après, la tourner un peu. Des fois, elle s'amuse. Des fois, c'est juste pour se cacher parce qu'elle a peur. Mais voilà. Alors, avant, j'avais cette grande boîte-là. Mais elle est cassée. C'est dommage. Regarde. Elle est cassée. Du coup, maintenant, j'ai un aquarium. L'aquarium, oui, de mes lézards. Mes lézards, je les ai mis dans autre chose. Donc, voilà. Alors, du coup, maintenant, j'ai plus qu'un seul lézard. Je vous dirai ça dans une autre vidéo. Donc, voilà. L'aquarium, qui est juste là. Avec le serpent de terre dedans. Et là, l'Orvet. Alors, pourquoi il n'y a qu'une seule pierre? L'Orvet adore, mais adore. Adore à se cacher sous la terre. Enfin, il n'y a pas qu'une pierre, il y a aussi une écorce. Donc voilà, je remets dedans, on va fermer. Et là, on va voir mon serpent en verre de terre. Tan tan. Ouais, par contre, toujours aussi dur la manière à ouvrir cet aquarium. Ouh, purée. J'ai failli faire la catastrophe. Alors, la preuve qu'elle a fait une mue. Ah, attendez, j'essaie de voir s'il n'y a pas un morceau de mue. C'est quoi ça? Oula, c'est tombé. Bon, pas trop tard. Alors, comme preuve pour la mue. Ah, voilà. Alors, vous voyez, on dit un petit morceau de plastique, mais non, c'est une mue. Alors, quand je l'ai vue avec sa mue était à là. Attendez. Arrête de bouger, s'il te plaît. À là. Donc, c'est quand même incroyable. Alors, écoutez, c'est la première fois que je vois un serpent muet, en vrai. Vraiment, quoi. Donc, du coup, voilà, elle est très fragile. Je la prends doucement. Regardez. C'est une femelle. Hein. Elle est très fragile. Donc je fais très doucement avec elle. Voilà. Je fais très très doucement. Des fois je la laisse comme ça pour après qu'elle s'enlève. Des fois ça c'est long. Donc des fois je la pousse un peu. Voilà. Mais vraiment, avant ça va. Mais maintenant, elle vient de faire sa mule. Elle est un peu fragile. Donc là, du coup, je referme. Donc du coup, c'était ça, Chouloulou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de terminer cette vidéo, je veux au moins aller 100 pouces bleus, donc 100 likes, puis au moins allez un petit 10 abonnés, s'il vous plaît.
Juste comme ça. Et par contre, sonner cette belle et magnifique cloche en or. Non, en vrai, elle n'est pas du tout en or. Mais sonner cette cloche de notification, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était Sachoulou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh, oh, oh. C'était Sachoulou. Peace. Peace.